de la table, c'est fait. Avaler la part de lasagne de John, c'est fait. Déchirer les tout nouveaux rideaux, oui, c'est fait. Et voilà, je crois que j'ai fait tous mes devoirs pour aujourd'hui. Tenez, vous pouvez poster ça, s'il vous plaît? Mais que... Pour ton information, Garfield, je viens de monter une vidéo pour montrer la façon dont tu te comportes au docteur Whippet. Oh non, pas le docteur Whippet! Et maintenant, on applaudit bien fort le docteur Whippet. Si on regardait plutôt un jeu stupide avec des célébrités déguisant en lapin géant. Allez. Non, je me fiche de ce que tu veux voir. Nous regardons l'émission du docteur Whippet et c'est tout. Comme vous le savez, je vous propose des techniques pour éduquer vos animaux domestiques. Et tout particulièrement nos petits amis les chats, qui sont souvent mal élevés, paresseux, grossiers, insolents et invivables. Je vois vraiment pas de qui il veut parler. Au cours de l'émission précédente, je vous ai présenté le chat le plus sauvage que j'ai jamais vu. Voici comment se comporter grand coquin avant qu'on lui apprenne les bonnes manières. Il a l'air drôlement chouette, ce chat. En fait, ce grand coquin me rappelle quelqu'un. J'ai soumis immédiatement grand coquin à mon programme intensif d'obéissance garantie. Et en l'espace de quelques heures à peine, voici le résultat. Grand coquin, tu as envie de chasser ce délicieux petit oiseau? Non! Vous pouvez rééduquer votre animal de compagnie en un clin d'œil. Vous trouverez tous mes conseils dans cette gamme exclusive de DVD, cassettes, livres, logiciels, ainsi qu'un kit de rééducation. Ne t'inquiète pas, Garfield, je n'ai vraiment pas l'intention d'acheter tout ça. Ouf, ouf. Pendant une minute, j'ai bien cru que... Entrez, la porte est ouverte. John, tu n'as pas osé, hein? Pas toi. Il a osé. En voiture, le chat. Adieu, Odie. Je reviendrai. Et je ne serai peut-être plus le même en rentrant. Adieu, chien, adieu, John. Adieu, coussin, adieu, télé. John, comment t'as pu me faire ça à moi? Ah, bonjour, le chat. Bon, si tu fais tout ce qu'on te dit, tu sortiras d'ici en un rien de temps. Allez, viens, mon petit chat. Après quelques heures de mon programme, tu seras devenu sage et obéissant. Tout comme grand coquin. Pourquoi ce visage m'est si familier? C'est très étrange. Première étape, la cabine la reproche. La sangle là, la boucle, voilà. Tu vas entendre toutes les remontrances qui pourraient t'être adressées si, d'aventure, tu te comportais mal. Descends de la table. C'est mal, c'est très mal. Pas pour le chat. Des privés de souris. Je reviens, disons, dans une bonne heure. Non. Descends de la table. Je vais laver les papas tout de suite. Je crois que tu es resté assez longtemps. Très bien, voilà un début prometteur. Gentil petit chat. Maintenant, on va te faire passer cette sale manie de faire valser les chiens hors des tables. Pour ça, je vais te confronter au robot cabot. À chaque fois que tu tenteras de virer le robot cabot de la table, eh bien, c'est simple, essaye de l'attaquer et tu verras ce qui arrivera. Quelle rigolade! Allez, voilà une bonne chose de faite. Je ne vais pas me laisser aplatir par un tas de boulons. Non, mais dis donc. C'est pas possible.
t'as eu ton compte, hein. Ça y est, le cabot. Oui. Maintenant, c'est l'heure du repas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je crois que pour la première fois de ma vie, ça va pas me plaire de manger. Voici ton repas, le chat. Croquettes pour chat desséchées, goût morue, topinambour. Et voici le mien. Une délicieuse côte de bœuf, sauce au poivre, accompagnée de deux onctueuses purées, pommes de terre et céleri, suivie d'une tarte aux pommes pour le dessert. Miam, 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 et encore miam. Tu dois manger ton repas et pas le mien. Est-ce que c'est bien compris, le chat? Parce que tu sais ce qui va arriver si tu touches à mon repas, n'est-ce pas? Et voilà, si tu t'approches de mon plat, un coffre-fort de 800 kilos et 22 grammes s'abattra sur toi. J'avais remarqué, merci. Bien, à toi de faire le choix le plus raisonnable. Le chat, chaque fois que tu t'approcheras de mon repas, ce coffre-fort te tombera dessus. Tu as compris, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'obstines à essayer de manger ma côte de bœuf? Mais parce qu'elle sent bon, qu'elle est cuite comme je l'aime, à point. Le programme de rééducation est terminé. Je me demande bien comment j'ai pu tenir jusqu'au bout. Tu es en parfaite condition pour l'émission qui doit débuter dans un peu moins d'une heure. Oh, c'est horrible ce truc. En fait, c'est même pire qu'horrible. Le monde n'existe pas, mais je suis trop fatigué pour l'inventer. Salut, Garfield. Salut, grand coquin. Hé ? Mais comment tu connais mon nom, grand coquin ? Je sais. T'es Harry. Je savais bien que tu me disais quelque chose. Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fabriques ici à te faire passer pour un chat docile au nom ridicule ? T'es aussi désobéissant que moi. C'est un boulot, tu vois, je fais semblant d'avoir réussi le programme du docteur Whippet, je joue les gentils matous à la télé, et en échange, il me donne 10 kilos de poisson tous les jours. Ça doit lui revenir cher. Il s'en moque. Tu sais qu'il se fait une fortune avec ses cours de rééducation stupides. Il gagne tant que ça? Assez pour t'offrir ton poids en poisson. Oh, ça fait un paquet de poissons, ça. T'as qu'à faire comme moi. Si tu l'aides à vendre ses produits, tu pourrais avoir les mêmes avantages que moi. Ouais, travailler pour lui et avoir plein de poissons chaque jour. Et mon intégrité, alors? C'est un vrai cas de conscience pour moi. Mesdames et messieurs, voici maintenant le plus grand ami des bêtes, le docteur Whippet. Merci. Aujourd'hui, vous allez assister à un cas extrêmement difficile. Voici le chat le plus mal élevé que j'ai jamais rencontré. J'ai nommé Garfield. Il a suivi mon programme intensif d'obéissance garantie. Vous allez pouvoir admirer les résultats. Garfield. Garfield, as-tu encore envie de maltraiter les pauvres petits chiens? As-tu encore envie de voler de la nourriture ou de déchirer des rideaux? Wow, c'est incroyable comme ce chat est bien élevé maintenant. Nous devons absolument commander les DVD, les cassettes et des livres. Mais nous n'avons pas de chat, mon trésor. Bien, tu mérites une récompense. Aurais-tu envie de quelque chose en particulier? Oui, de ça. Attrapez-le! C'est parti! Oh, c'est incroyable comme ce chat est mal élevé. Je croyais que le docteur Whippet lui avait justement appris à ne plus faire ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je dois aller m'occuper de certaines choses en coulisses. Je te tiens, on se calme, minou. Hey, tu peux te débattre, mais t'iras nulle part. Voilà cette sale bestiole, ce maudit chat qui essaie de saboter par tous les moyens mon émission. Moi? Vous devez faire erreur sur la personne. Mais ça ne marche pas. Oh non, je trouverai une explication. Le public avale n'importe quoi. Ils ont tellement envie de croire à mes techniques miracles. Quoi qu'il arrive, ils continueront à acheter mes DVD. Ces imbéciles. C'est une affaire qui roule. Ce n'est pas un vulgaire matou qui changera quoi que ce soit. Docteur Whippet, je crois bien que vous êtes en direct à l'antenne. Mais comment voulez-vous qu'ils m'entendent? Je suis sûr d'avoir laissé mon micro sur scène. Oh, vous avez d'autres commentaires à ajouter pour votre fidèle public, docteur? Oh,
espèce de sale petit insolent. Je reprends mon chat. Éloignez-vous de lui. Merci pour la journée, Doc. Le standard est saturé d'appels de clients qui annulent leurs commandes et exigent des remboursements. Mais docteur, pourquoi vous avez pas rééduqué ce chat? Mais j'ai essayé, sauf qu'il est extrêmement résistant. Aucun programme ne pourrait le faire changer. Les babouins suédois étaient réputés pour leur goût prononcé pour le couscous. Garfield, je voulais encore m'excuser de t'avoir envoyé chez cet horrible docteur. Bon, j'y réfléchirai si tu t'excuses encore 10 ou 12 fois. Eh bien, Audi, je suis de retour et je suis resté le même. Le docteur Whippet ne m'a pas transformé en gentil chat. Alors, oh tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. C'est l'heure de son émission. L'émission du docteur Whippet, qui est normalement à cet horaire, ne sera plus jamais diffusée. Wow, ça, c'est une bonne nouvelle. À la place, nous vous proposons une nouvelle émission où d'anciennes célébrités se déguisent en poulets géants. Et maintenant... Décidément, mais c'est de mieux en mieux. Le poulailler des stars. J'entends les programmes intellectuels.